Bonjour à tous, voici l'histoire de Tchoupi fait des crêpes. Aujourd'hui, papy et mamie viennent pour le goûter. On pourrait faire des crêpes, propose Tchoupi. Bonne idée, dit maman. On va préparer la pâte. Avant de commencer, il faut se laver les mains et sortir les ustensiles, dit maman. C'est quoi les ustensiles ? Demande Tchoupi. C'est le saladier, le fouet pour remuer et le verre pour mesurer. Puis Tchoupi cherche les ingrédients. Alors, la farine, le lait, le sel, les œufs et l'eau. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Je peux casser les œufs ? Demande Tchoupi. Pas tout de suite, attends. Il faut d'abord verser la farine et faire comme un petit puits. Voilà, Tchoupi, maintenant tu peux y aller. Chouette, je peux tous les casser? Ah non, Tchoupi, il n'en faut que deux. Ça suffit. La pâte est presque prête. Tchoupi mélange bien. Oh, is! Oh, c'est dur d'être crêpier. Quand la pâte est bien lisse, maman la verse dans la poêle chaude. Et voici la première crêpe. Je peux la faire sauter? Demande Tchoupi. 1, 2, 3. Hop! Tchoupi lance la crêpe qui atterrit sur la tête de Doudou. Tchoupi essaye encore et cette fois, il réussit. Bravo Tchoupi, maintenant on va se régaler. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésite pas à venir liker et surtout à t'abonner. Merci et à la prochaine.